Alors, dans cette vidéo, je vous dirai combien d'argent exactement YouTube paye pour 100 000 vues que vous avez sur vos vidéos shorts. Les vidéos shorts, ce sont les vidéos du genre TikTok, les vidéos verticales de moins d'une minute. Voilà, ça peut être 15 secondes, ça peut être moins de 60 secondes en tout cas. Alors, on peut dire que YouTube Shorts, c'est la version TikTok de YouTube. Voilà, donc les genres de vidéos que vous avez sur TikTok. Voilà, les vidéos verticales au niveau de YouTube. Et pendant que je vous parle, YouTube paye maintenant pour les vues parce qu'avant, lorsque la fonctionnalité short était lancée, YouTube ne payait pas pour les vues short. Donc, il n'y avait pas de publicité qui s'affichait sur des shorts. Mais maintenant, il y a des publicités qui s'affichent sur des shorts. Et donc, pour ces publicités qui s'affichent sur les vidéos shorts, YouTube paye des revenus. Voilà, pour les créateurs qui font des vidéos shorts. Alors, en entendant cette nouvelle, vous serez peut-être excité d'arrêter de faire des vidéos TikTok et de venir sur YouTube parce que on sait bien que YouTube paye mieux, assez mieux pour les vues pour que toutes les autres plateformes parce que les reels sur Instagram ça paye pas, les vidéos sur Facebook ça paye pas. TikTok il y a des formes de monétisation, mais on sait que pour la monétisation des contenus, YouTube c'est la meilleure plateforme. Donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de vues sur des vidéos TikTok mais gagnent zéro pour ces vues là. Donc, des préférences, ils vont vouloir venir sur YouTube et commencer à gagner des revenus sur les vues qu'ils ont sur les vidéos TikTok. Mais avant tout ça, il faut savoir combien est-ce que YouTube paye pour 100 000 vues. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement sur mon écran combien est-ce que YouTube m'a payé pour les 100 000 vues que j'ai eues les mois passés. Parce que peu avant la monétisation, peu avant que YouTube commence à monétiser les vidéos shorts, j'ai commencé à créer des vidéos shorts sur une chaîne particulière et je me suis focalisé à faire que des vidéos shorts. Donc j'ai posté 3 shorts par jour. Ce ne sont pas des vidéos que j'ai créées, ce sont des vidéos, des extraits, des interviews que je tire ça et là. Et donc, j'ai créé ces extraits d'interviews et je les postais régulièrement durant les mois passés. Et alors, j'ai pu avoir quelques vues, quelques centaines, quelques milliers de vues sur ces vidéos-là. Et au total, j'ai pu faire plus de 100 000 vues. Alors maintenant, on va y aller. Je vais vous montrer exactement combien YouTube m'a payé pour les plus de 100 000 vues sur les shorts que j'ai eues les mois derniers. Voilà, à ce niveau, on est sur mon YouTube Studio et comme vous le voyez, les 28 derniers jours, j'ai pu avoir 129,5 000 vues. C'est les vues que j'ai eues globalement sur toutes mes vidéos. Mais alors, dans les 129,5K, il y a des vues que j'ai eues sur des vidéos horizontales. Donc, on ne va pas se focaliser sur les vues ou sur les sommes d'argent que j'ai gagnées pour mes vidéos horizontales, mais on va se focaliser sur les shorts parce que ça faisait longtemps que j'avais posté sur cette chaîne. J'ai juste fait cette expérimentation pour voir combien j'ai gagné pour des vidéos shorts. Donc, on ne va pas aller sur base des 129 000 vues. On va aller au niveau des contenus ici. Alors, au niveau des contenus, on a les vues et que j'ai eues sur les vidéos normales. Comme vous le voyez, c'est 4 000 vues que j'ai eues sur mes anciennes vidéos normales, mes anciennes vidéos verticales. Et là, on va se focaliser sur les vidéos shorts. Et au niveau des shorts, comme vous le voyez, alors j'ai eu 125 000 vues les 28 derniers jours, ce qui m'a permis d'avoir 2,2 likes, donc 2000 likes. Donc les gens aiment ce genre de vidéos aussi. Et aussi, ça m'a permis d'avoir plus de 194 nouveaux abonnés qui ont regardé mes vidéos shorts et se sont abonnés à ma chaîne. Ça fait quelques abonnés de plus, ça fait du bien. Maintenant, on va aller au niveau des revenus ici. Je vais cliquer sur revenus. Alors, au niveau des revenus, la partie sur laquelle on se focalise, vous pouvez les voir déjà, c'est cette partie ici, shorts. Et comme vous voulez, vous pouvez le voir, le revenu estimé que j'ai eu les 28 derniers jours, c'est 3,25 $, seulement 3 $ pour 100 000 vues, 125 000 vues, voilà. Donc du coup, globalement, je dirais pour 100 000 vues actuellement, YouTube, 100 000 vues pour les shorts, YouTube paye 3 $. Voilà, ça c'est vraiment très peu comparé à 100 000 vues pour des vidéos horizontales, les vidéos normales sur YouTube. Pour 100 000 vues pour des vidéos normales YouTube, ça ferait beaucoup d'argent. Quand je vois le temps que j'ai mis à créer ces vidéos shorts, c'est pas moi qui ai filmé les vidéos, c'est juste des clips, mais voilà, j'ai pu faire quelques modifications pour gagner uniquement 3 $, c'est vraiment peu. Voilà, maintenant qu'on sait que YouTube paye en général ou globalement
$3 pour 5000 vues que vous avez sur YouTube Short. La plupart des gens peuvent être déçus de cela parce que voilà, c'est très peu pour 5000 vues. Mais quand on prend en compte que les vidéos sont des vidéos de moins de 15 minutes, vous faites, vous pouvez les filmer dans moins de dans peu de temps en fait. Prenons en compte que pour 1 million de vues, ça ferait $30 et on sait qu'il y a des adolescents et des adolescentes qui se font plusieurs dizaines de millions de vues sur leurs vidéos TikTok sans rien gagner sur ces vidéos. Voilà. Il y a des adolescentes qui peuvent se faire 10 millions de vues sur TikTok sans rien gagner sur ces vidéos. Mais imaginez si elles faisaient les mêmes vidéos sur YouTube et faire globalement le même travail sur la création de ces contenus parce qu'elles le font déjà sur TikTok, gratuit, elles n'y gagnent rien peut-être. Mais si elle peut faire 10 millions de vues sur YouTube Short, ça ferait $300. Là, ça commence à devenir intéressant. Et voilà, $300 supplémentaires par mois pour un adolescent qui filme sa journée ou qui filme sa routine de make-up ou ses danses TikTok. Ça ferait quelque chose d'intéressant. C'est tout pour cette vidéo. Maintenant, vous savez combien est-ce que YouTube paye exactement pour 100 000 vues. Pour certains, ça va vous encourager à créer des vidéos short. Pour certains, ça va vous décourager. Mais c'est un peu ça mon expérience. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous sur cette chaîne et like. Mettez-moi un like, un gros pouce bleu. Ça me fait énormément plaisir de voir vos likes. On se voit plus tard pour une prochaine vidéo. Peace.